Salut tout le monde, petite vidéo. Aujourd'hui, on va réparer les durites des gicleurs d'essuie-glace suite à la dernière fois. Il y en a une qui avait pété, j'étais obligé de la couper pour pouvoir réparer ça. Mais là, on va les changer. J'ai acheté un kit complet. Donc, c'est parti, on va tout démonter. Donc, c'est pas compliqué, hein. On lève le capot moteur et on retire les clips qui sont ici, hein. Il y en a quatre. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a démonté le cache. Maintenant, on va déconnecter les durites et on va prendre les mesures. Donc voilà, j'ai sorti le kit. Hein. Ça, c'est les anciennes durites. Voilà, on va prendre les mesures et puis on va couper ça et on se reprend après. Voilà, les durites, elles sont coupées. Maintenant, il ne manque plus qu'à les installer. Donc voilà, les nouvelles durites, elles sont montées. Là, ça remet le cache et la protection, quoi, et tester. Donc voilà, durite montée et cache montée. J'ai déjà dit la durite montée. Voilà, on est dans la voiture. Donc on met juste le contact et on teste. Voilà, ça fonctionne, nickel. Donc voilà, c'était la petite vidéo et en même temps, ça vous fait un petit tuto. Sur ce, hein, n'oubliez pas de vous abonner et de marquer un petit pouce et de marquer aussi des commentaires. Sinon, à la prochaine.